Au château de Tavernay, Joseph Balsamo révèle à Marie-Antoinette son destin tragique. La dauphine emmène à Versailles André, Philippe de Maisonrouge et Nicole, la servante, sosie de la future reine. Le jardinier Gilbert, passionnément amoureux d'André, abuse d'elle un soir que Balsamo l'a plongée dans un sommeil cataleptique. Elle met au monde un fils, Gilbert, pour se venger, enlève l'enfant et disparaît. Marie-Antoinette et André sont sauvés par le comte de Charny, dont elle tombe aussitôt amoureuse. La reine seule est payée de retour. La passion de Charny le jette aux genoux de la reine, mais, surprise par Louis XVI, la reine, pour sauver Charny, affirme qu'il veut épouser André de Tavernay. Marie-Antoinette se rend à Saint-Denis auprès d'André. La jeune fille, croyant son amour partagé par Charny, est folle de bonheur. Le vieux baron meurt, le mariage a lieu et fait trois malheureux. La reine, André et Charny. 14 juillet 89, Gilbert, revenu d'Amérique, est délivré par le fermier Billot et Ange Pitou, frère de lait de son fils Sébastien. Necker a donné au jeune et brillant médecin une lettre d'introduction pour le roi. À Versailles, il revoit André et, sous hypnose, elle lui apprend que c'est elle qui l'a fait embastiller et lui a volé une cassette contenant leur lourd secret. Ouvrez-la. Je vous avertir, Votre Majesté. Cette cassette renferme des papiers dont dépend l'honneur d'une femme. La comtesse ? Oui, sire. Je préfère donc que Votre Majesté l'ouvre elle-même, si elle le souhaite. Cette cassette vous appartient, portez-la. Merci, Majesté. La comtesse s'éveillera dans un quart d'heure. Monsieur Necker me conseille de vous prendre avec moi. Sire, je souhaite avant tout être utile à Votre Majesté. Le roi accepterait-il de m'engager comme médecin par quartier ? Accordé. Mais comment expliquez-vous cet état merveilleux dans lequel vous avez plongé la comtesse ? Je ne sais pas. C'est un mystère que la science percera un jour, sans doute. Nous appelons cela un mystère, nos pères disaient, sortilège ou sorcellerie. Qui vous a transmis ce pouvoir ? Le comte de Cagliostro. Oh. Cagliostro. Un grand ennemi des rois. Cet homme a joué dans l'affaire du collier un rôle déplorable. Je n'ai pas étudié avec l'homme, mais avec le philosophe. Que valent la science et la philosophie, docteur ? Quand elles servent à manœuvrer le peuple de telle sorte qu'il coupe les têtes et les promène dans la rue. Je crois en Dieu et dans la bonté du cœur humain. Si des Français pouvaient lire dans le mien, comme vous avez su lire dans l'âme de la comtesse, ils verraient bien que je suis leur père et combien je les aime.
Allons au bal, madame. Eh bien. J'arrive de Paris, madame. Eh bien, comment vont les choses à Paris? Mal. Le peuple tue et brûle. Je n'avais jamais vu tant de férocité déchaînée. Mais le peuple n'est pas féroce sans raison. Admettons que ce soit de la haine, alors. Poussez jusqu'à la folie. Mais haine de qui? De tout ce qui domine le peuple. Mais que faut-il faire? Rien. Comment rien? Vous êtes de Lorraine comme moi, monsieur de Lambesque. Paris est à feu et à sang. Et vous osez dire à la reine qu'il n'y a rien à faire? Laissons les Parisiens se calmer, madame. Si nous leur faisons l'honneur d'accepter le combat, ils continueront à se monter la tête. Tenons-nous tranquilles. Et dans 3 jours, l'ordre sera revenu dans Paris. Personne n'a de meilleurs conseils à nous donner. La reine me permet-elle de parler? Je vous l'ordonne, monsieur. Madame, j'étais tantôt aux Champs-Élysées et je connais la situation. Dès demain, si le roi le veut, il peut mettre en ligne 40 000 hommes. Et les jeter sur Paris. 40 000 bons soldats ne feront qu'une bouchée de 500 000 Parisiens révoltés. Et ces 40 000 hommes, où sont-ils? Il y a une énorme artillerie à Montmartre. Il y a Vincennes. 10 000 hommes à Saint-Denis. 10 000 à Grenelle. 10 000 à Saint-Mandé. Qu'ils entrent dans Paris par les Champs-Élysées, la barrière d'enfer, la Bastille, la rue Saint-Martin, en moins de 24 heures. La révolte est terminée. Le peuple a douté de ses maîtres. C'est un crime qui doit être puni. Voilà un projet courageux et précis. Qu'en dites-vous, monsieur de Lambesque? Monsieur le lieutenant de Hussard est un parfait général. Madame. En tout cas, je suis prêt à mourir pour mon roi. Et nous sommes 40 000 dans cette disposition. Sans compter nos chefs, monsieur de Lambesque. Comment vous appelez-vous, monsieur? Baron Isidore de Charny, madame. Charny. Mais combien êtes-vous donc? Nous avons déjà à Versailles le comte Olivier. Son frère Georges. Je suis le cadet, madame. Mais depuis 7 ans que je suis aux armées, je ne suis venu que 2 fois à la cour. Vous ressemblez à votre frère aîné. Je le gronderai de ne vous avoir pas présenté plus tôt à nous. Madame, mes amis, au milieu de tous ces événements, on a oublié de me servir mon souper. Faites-moi donc plaisir de m'inviter chez vous. Faites silence, je vous prie, je voudrais bien souper tranquillement. N'avez-vous aucun ordre à donner? Quel ordre, madame? Je vous sens toute prête à me dispenser de bons conseils. Mais le moment est assez mal choisi pour que je les accepte. Seulement, s'il me parle de paix. On pense en général que les mesures apaisantes ne sont plus de saison. Et que le royaume a besoin d'un maître disposé au combat. Est-ce que tous ces messieurs sont disposés au combat? Eux aussi? Oui, 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 oui. Nous ne demandons qu'à verser notre sang pour le roi. Vous me faites le plus grand plaisir, messieurs. Je sais maintenant que je peux compter sur vous en cas de besoin. Mais pour le moment, j'ai un conseil et un estomac. Le premier me conseillera demain ce que je dois faire. Et le second me conseille présentement ce que je fais. Qu'en dites-vous, prince?
Sire, mon avis est qu'il vaut mieux retirer les troupes de Paris et attendre. La prudence est une vertu nécessaire dans les temps difficiles. Voilà au moins qui est parlé net, n'est-ce pas, madame? Certes, oui, sire, voilà qui est parlé, mais ce n'est pas donné des ordres. Allons, messieurs, je vois bien qu'il faut prendre un deuxième avis. Vous me semblez le plus résolu, lieutenant. Quelle est donc votre opinion? Sire, si vous retirez votre armée de Paris, on dira que les Parisiens ont vaincu l'armée du roi. Si vous laissez votre armée à Paris, il faut que les Parisiens soient battus. Bien dit. Bien dit. Eh bien, après? Commandez, marche! Mais oui, marche! Oui, marche! Alors, puisque vous semblez tous de cet avis, marchons! Vive le roi! Vive le roi! Permettez-moi de vous laisser un instant, mais je vous demande de ne rien précipiter avant mon retour. Allez, madame, nous vous attendrons. Il n'y a pas péril en la demeure. Pourquoi êtes-vous revenu? Parce que j'ai cru que c'était mon devoir. Votre devoir était de m'obéir. Je vous ai ordonné de vous éloigner de moi. Le roi vous a confié un commandement aux Tuileries. Que faites-vous ici? Mais j'arrive de Paris en révolte, madame. Pour vous dire la vérité sur les événements terribles qui nous menacent. Non. Pour la première fois de votre vie, ne me dites pas la vérité. Vous souffrez? Non. Oh, oublions ce qui menace, comte. Votre main est glacée. Plus de menaces, plus de cris, plus de haine. Un cœur qui m'aime, voilà tout ce que je demande à Dieu. Olivier, je vous supplie de partir. Mes meilleurs amis l'ont déjà fait, à commencer par les Polignac. Fuyez-vous aussi. Non, ni moi ni mes frères ne partirons, madame. Quant à madame de Charny, vous-même l'avez rappelée auprès de vous, et je sais qu'elle ne vous quittera pour rien au monde. Vous êtes donc revenu à Versailles, malgré mon ordre, pour nous protéger toutes les deux. Je suis revenu pour protéger la reine, comme je l'ai juré. Je serais heureux de mourir pour elle. Je vous interdis de prononcer ces paroles. Et là, je crois que le temps est venu où mourront tous ceux qui ont aimé les rois. Mais vous perdez l'esprit. Non. Ne vous y trompez pas. Tout ce qui s'accomplit aujourd'hui n'est pas un accident de hasard. Tout a été préparé de longue main. 25 millions de sujets deviennent tout à coup nos ennemis. 25 millions d'hommes affamés se demandent tout à coup à quoi servent le roi et la noblesse. Et vous savez ce qu'ils répondent. À augmenter le poids de notre misère. J'entends dire que le roi veut lancer ses troupes contre Paris. Il ne le faut à aucun prix. Le peuple que j'ai vu marcher contre les Tuileries est capable de réduire en poudre une armée de 100 000 hommes. Et quand il aura goûté de la victoire, rien ne pourra plus le contenir. Que faites-vous de la force de nos troupes? Votre frère, le baron, ne partage en rien votre avis. Mais mon frère est jeune. Jamais encore il n'a vu la couleur du sang, ni du sien, ni d'un autre. Moi, je vous dis que vous n'avez plus 25 millions d'esclaves pour vous servir. Vous avez 25 millions de soldats pour vous combattre. Pour me combattre? Moi? Oui, vous. Parce que vous vous tenez entre eux et la liberté. C'est moi qui vous supplie de ne pas me dire la vérité. Elle est là pour toujours. Et vous ne l'écarterez plus ni dans la veille ni dans le sommeil. Je sais un sommeil qu'elle ne troublera pas. Ce sommeil-là, je prie Dieu de pouvoir le partager avec vous. Olivier, jurez-moi que c'est pour moi seul. Que vous êtes revenu à Versailles. Comment pouvez-vous en douter? Oh mon Dieu. Avez-vous entendu? Madame, peut-on appeler quelqu'un? Gilbert!
déjà entendu la comtesse prononcer ce nom. Mon Dieu, vous nous avez épouvantés. Lorsque les hommes tremblent, les femmes peuvent bien s'évanouir. Vous avez bien fait de quitter Paris, comte. On dit qu'ici passe des choses effroyables. C'est donc pour moi que vous vous seriez fait tout ce mal? Mais naturellement. Madame la comtesse a bien le droit de se faire du souci pour son mari. À part cela, que faites-vous ici? Hélas, je l'ignore. Dans cette vie de fatigue et d'émotion que nous vivons depuis 3 jours, ma tête se perd sans doute et... Il y a autre chose. Vous avez à vous plaindre de quelqu'un. Dans votre délire, vous avez prononcé un nom à plusieurs reprises. Gilbert. Cela est singulier. Je ne connais d'autre Gilbert que ce médecin qui arrive d'Amérique et que le roi a pris son service. Je l'ai rencontré tout à l'heure. C'est un homme sévère. Il parlait de choses sombres et terribles. Sans doute est-ce lui qui m'a épouvantée. Eh bien, me voici rassurée. Retournez au souper du roi, comte. Vous direz au prince de Lambesque qu'il maintienne les troupes de Paris sur leur position. Vous n'aurez pas de mal à le convaincre, c'était son opinion. Et pour le reste, le roi décidera demain à son conseil. Merci, madame. Je voulais faire la guerre aux Parisiens et votre mari m'a presque convaincue que ces gens-là ne sont pas des bêtes féroces. Vous sentez-vous mieux? Oui, madame. Alors, venez. Nous assisterons à la fin du souper du roi. Non, madame. Je vous demande la permission de me retirer chez moi. Je suis épuisée. Voyons, André. Vous avez vu le roi tout à l'heure avec ce docteur Gilbert. Sa majesté avait-elle à se plaindre de vous? Parlez sans crainte. Le roi ne ménage pas toujours mes amis. Non, madame. Le roi n'a eu que des bontés pour moi. Simplement... Alors, est-ce le docteur Gilbert? N'est-ce pas contre lui que vous avez demandé une lettre de cachet, voici quelques jours? Où est la reine? Madame, au nom du ciel, que je ne me retrouve pas en face de lui à présent. J'en mourrai de honte. Cachez-moi! Que de mystère, venez, quitte. Charny m'a dit que vous aviez changé d'avis, qu'il fallait faire taire les belliqueux. J'en suis si content que j'ai voulu aussitôt vous remercier. Donnons-nous encore cette chance d'éviter la guerre civile, tant que nous ne sommes pas sûrs de la gagner. C'est-à-dire que si vous vous sentiez la plus forte, vous feriez la guerre? Si j'étais la plus forte, je brûlerais Paris. Vos motifs ne sont pas tout à fait les miens. Mais que voulez-vous, Louis? Je ne veux pas faire la guerre au peuple parce que je trouve que le peuple a raison. C'était ce que vous aviez à me dire? Oui, cela m'est venu en soupon.
Vous me voudriez poétique, vaporeux. Vous avez du mal à me pardonner mon appétit, mais que voulez-vous, je suis d'une famille où l'on mange. Henri IV mangeait, et de plus il buvait sec. Louis XIV mangeait en rougir. Louis XV faisait son café et s'est baigné lui-même. Alors, soyez indulgente pour l'appétit de Louis XVI. Vous me parliez du peuple, qui m'est pareil à ça que tue vos serviteurs. Et voilà qu'il est question de votre estomac. Je viens juste de l'emplir, je peux donc l'oublier quelque temps. Ainsi, le peuple se révolte et selon vous, il a raison. Oui. Vous et votre coterie, vous m'avez fait renvoyer Turgot et Necker, les deux seuls ministres qui s'occupaient réellement du bonheur du peuple. Vous me faites renvoyer ce qu'il aime et garder ce qu'il tonde. Ce n'est pas le meilleur moyen de vous rendre populaire. En somme, vous proclamez le droit du peuple à l'insurrection. Dieu du ciel. Heureusement que nous sommes tête à tête. Malheureusement plutôt. Car je voudrais que tous vos amis m'entendent. Tous vos Coigny, tous vos Drobrésés, vos Clermont-Tonnerre, vos Polignac qui vous grugent et qui me tondent. J'aurais dû les mettre tous à la Bastille. Jamais le peuple ne l'aurait démoli. Au contraire, il l'aurait fortifié. Non! Votre peuple bien-aimé n'aura plus l'occasion de haïr mes amis. Ils partent. Ils partent? Tous? Oui. Dieu soit béni. Les frères d'Artois et de Provence partent aussi? Oh, ils partiront. Alors, bon voyage. Savez-vous qu'il n'y a jamais eu qu'un seul homme honnête auprès de vous? Ah oui? Qui? Charny. Les autres? Ah, madame. J'expie tous les péchés de ma famille et de mon siècle. J'expie les mauvais traitements infligés aux gens de lettres et aux philosophes. Les persécutions du lieutenant de police contre Jean-Jacques Rousseau. Mais comment voulez-vous qu'après cela, il n'ait pas monté la tête du peuple contre nous? J'aurais mis mes gros habits et mes gros souliers. Et j'aurais dit à Rousseau... Allons-nous en chercher des champignons dans les bois de Ville d'Avray? Eh bien. Eh bien? Eh bien, Rousseau n'aurait jamais écrit le contrat social qui a démoli la monarchie. Vous craignez le peuple comme le chien craint son maître. Non, comme le maître craint son chien. Je veux être ami avec mon molosse Médor, sinon ses grosses dents blanches me mordront le derrière. Aussi, je veux faire un Médor de Monsieur de Mirabeau et un autre Médor de Monsieur Bailly. Flatté de pareils gens! Mon aïeul Henri IV disait qu'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Et que faites-vous? Que faites-vous de la majesté? Objet d'amour, de respect, d'obéissance. Ma chère Antoinette, je ne connais personne d'aussi majestueux que vous dans toute l'Europe. Et cependant, vous n'êtes pas aussi aimé que vous le méritez. On ne m'aime pas parce qu'il y a des gens occupés à répéter nuit et jour « La reine n'est pas aimée, la reine n'est pas aimée ». Mais le peuple peut-il aimer une souveraine qui fait jeter les honnêtes gens à la Bastille? Moi, des honnêtes gens à la Bastille. C'est du cardinal de Rohan qu'il s'agit. J'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un de votre connaissance, jeté en prison sur votre ordre et qui en est sorti tantôt. Et comment s'appelle-t-il? Le docteur Gilbert. Vous l'aviez oublié? Je ne connais pas cet homme. Madame de Charny affirmait la même chose et puis elle s'est ravisée. Il faut qu'il se soit passé entre eux des choses. Oh, sire, Madame de Charny est une femme d'une grande vertu. Mais rassurez-vous, je serai le fin mot de cette histoire. Et par Gilbert lui-même, puisqu'à présent il est mon médecin. Vous confiez la vie du roi au premier venu. J'ai confiance en mon coup d'œil. Savez-vous que ce Gilbert est un homme étonnant?
Il étend la main sur une femme, à l'instant même, elle s'endort. Et une fois endormie, elle parle. Elle parle? Les choses qu'elle dit sont fort étranges. Et madame de Charny? Elle dit des choses inouïes, il est même bien heureux pour elle. Oh, je vous en prie, sire. Restons-en là. Je veux bien car je tombe de fatigue. Voilà encore bien ma nature. Quand j'ai faim, je dois manger. Et quand j'ai sommeil, je me couche. Gardez de notre conversation cette notion salutaire. Le peuple a raison de démolir une prison pour la liberté d'un honnête homme. Dormez bien, Antoine. Ah, dites à madame de Charny que je veux qu'elle fasse sa paix avec le docteur. Bonne nuit. Madame, sauvez-moi. Je vais tout vous raconter, mais pour l'amour du ciel, sauvez-moi! Eh bien! Que faites-vous donc planté là? Au lieu de me dire de quoi je souffre. Je vous observe, madame. Vous n'êtes pas malade. Seulement en proie à une vive excitation. Vous voyez cela à distance. Voilà qui est fort. Il paraît que vous êtes un puits de science, c'est ce qu'on dit. Où avez-vous étudié? Partout. C'est une réponse de médecin de place publique. Dites-moi plutôt, lorsque j'étais dauphine, il y avait dans le jardin de Trianon un garçon noir, terreux, rechigné, manière de petit Jean-Jacques Rousseau. Il s'appelait Gilbert. C'était moi. Ah! Et vous voilà devenu médecin du roi. Pas quel miracle! Monsieur Necker a bien voulu me recommander à sa majesté. Un médecin politique. Mais aussi un bon médecin physique et un ami du roi. Vous vous apprêtez donc à gouverner la France par la magie? On m'a dit que vous endormiez les gens. Vous lisiez le secret pendant le sommeil? Oui, madame, je tiens cette science de mon maître, Cagliostro. Cagliostro. Savez-vous que vous prononcez là le nom de mon pire ennemi? C'est lui qui était derrière toute cette ignoble affaire du collier. Le bannissement était une peine mille fois trop douce pour lui. Quant à cette prétendue science que vous tenez de lui, elle lui ressemble bien. Une science infâme qui prend aux uns l'âme, aux autres le corps. Madame. Les créatures humaines sont sujettes à l'erreur. Quant à la science que vous contestez, vous souvenez-vous des preuves que Joseph Balsamo en a données à la dauphine il y a 15 ans? Cette hideuse machine a décapité les gens
tu m'as montré dans une carafe d'eau. Elle n'existe pas. Revoyez donc votre vie, docteur Gilbert. Examinez votre conscience. Rappelez-vous votre acte le plus vil, le plus cruel, le plus criminel. Alors vous ne songerez plus à vivre trop près des grands de ce monde, car vous aurez une idée plus juste de ce que vous êtes. Renoncez à soigner le roi. Tâchez plutôt de guérir votre vilaine âme. J'ai beaucoup sondé mon âme, madame. Et je ne l'ai pas trouvée pire qu'une autre. Je peux vivre auprès des grands comme auprès des petits. Je ne vaux ni plus ni moins qu'eux. Vous refusez de quitter Versailles. Il faut que je reste. Vous haïssez en moi l'homme du peuple. L'image vivante du bouleversement qui s'accomplit. Or, je suis votre ami. Voilà qui est nouveau. Vous êtes la première femme en qui je trouve à la fois la passion féminine et l'envie de puissance des hommes. Je vous admire et je vous servirai. Mais si vos sentiments contre moi sont irrévocables, ordonnez-moi de partir et je partirai. C'est bien, restez. Pourriez-vous saluer ces messieurs de l'Assemblée nationale? Je leur souris bien. Que font-ils chez nous? Ce n'est pas moi qui les ai invités. Non, c'est moi. Montrez-leur bon visage. Je suis incapable de me contraindre, vous le savez. Et vous vous plaignez de n'être pas aimé. Nous rentrons. Dites au docteur Gilbert que je l'attends chez moi. Bien sûr. C'est le médecin que vous avez appelé? Non, c'est le conseiller qui désire me parler. Gilbert, conseiller du roi de France. Voulez-vous me permettre d'assister à ce conseil? Nous ne discuterons sûrement pas de choses bien gaies. Préférez-vous que j'en imagine de plus tristes? Je vous en prie. Comme il vous plaira. Bonjour, docteur. La reine a voulu se joindre à nous, malgré mes remontrances. Le roi craint que ma présence ne vous ôte votre liberté de langage, mais je vous connais assez pour n'avoir aucune inquiétude sur ce sujet. Je sais que la reine a assez de force de caractère pour ne pas craindre la vérité. Parlez donc. Sire, je venais conseiller à votre majesté de se rendre à Paris. Le roi? À Paris? Qu'est-ce que je vous disais? Le roi à Paris, au milieu des ivrognes et des écorcheurs. Vous êtes un fou! Ou bien avez-vous l'intention de faire assassiner sa majesté? Alors je serais un traître, madame, non un fou. Vous êtes les deux. Mais mordu Antoinette, laissez-le donc parler! Oh. Eh bien, docteur. Sire, une bonne moitié de vos troupes françaises est acquise aux idées révolutionnaires. Quant aux Parisiens, savez-vous ce qu'ils veulent faire? Ils veulent envoyer à Versailles des députés des 48 districts. Qu'ils viennent, ils seront bien reçus. Il y aura 20 000 hommes de la garde nationale avec eux. Mais nous les balayerons. Au premier coup de canon, il en arrivera 40 000 autres. Voulez-vous la guerre civile? Ah, moi je n'en veux pas. Si vous allez à Paris, personne ne viendra à Versailles.
Mais si le roi va à Paris, cela veut dire que vous avez bien fait de massacrer mes officiers et de mettre ma belle ville à feu et à sang. Cela veut dire que j'ai compris la douleur du peuple et je viens pardonner. Il a raison. Oh, sire. N'écoutez pas cet homme. Il est le seul jusqu'à présent qui ose me dire la vérité. Il est vrai que les Français auraient besoin d'un maître et d'un glaive. Et moi, je ne puis être que leur père et je ne sais donner que des talouches. Je suis monté sur le trône de France au mauvais moment. Il faut me résigner. Cette révolution est un char que rien ne semble arrêter. Eh bien, il n'a qu'à pousser avec lui. Mais nous poussons contre lui. Il reculera. En vous écrasant. Vous vous poussez un peu loin, la franchise de vos conseils, il me semble. Enfin, mon ami, considérez où vous allez. Madame, je vais tout bonnement à Paris. Sire, nous offrons à votre majesté les clés de la bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui ont été offertes à votre aïeul, Henri IV. Il avait reconquis son peuple. Aujourd'hui, le peuple a reconquis son roi. Vive le roi ! Les hommages de Paris me sont infiniment agréables, monsieur Bailly, et je vous en remercie. Puisque vous êtes astronome, la ville qui vous a choisi pour maire peut s'attendre à rester sous une bonne étoile. C'est le vœu que je forme aujourd'hui. Vive le roi ! Sire ! Un instant, monsieur le maire. Je vois que la municipalité de la ville de Paris a fait écrire là-haut que le roi était roi d'un peuple libre. Bah, c'est Pitou qui me l'a dit, moi je ne sais pas lire. Bon, c'est vrai mon ami, mais écoutez, je vous en prie. Non, mais j'ai juste un petit mot à dire. Avec la permission du roi. Et la vôtre. C'est la première fois que je vous vois, sire, et vous m'avez l'air d'un brave homme. Je m'appelle Billot. Je suis fermier à Aramon, près de Villers-Cotterêts. Est-ce que vous me permettez de vous demander quelque chose ? Mais je suis venu pour vous écouter et vous répondre. Comme le brave homme que vous voulez voir en moi, c'est un éloge qui me plaît. Et vous avez raison, car je ne donne pas à tout le monde. Bon, voulez-vous aller au fait, mon ami ? Sa Majesté a encore bien du monde à entendre. Ne fâchez pas, monsieur le maire, on y vient ! Sire.
Avez-vous vu la statue du roi Henri IV sur le pont Neuf? Oui, eh bien. Elle porte la cocarde nationale, sire. Si le bon roi Henri porte la cocarde tricolore, pourquoi ne la portez-vous pas à vous? Un instant, Millot. La cocarde du roi est blanche comme le drapeau de la France est blanc. Les deux ont fait leur preuve sur tous les champs de bataille. La cocarde nationale n'a que 3 jours d'existence et n'a encore rien fait. Elle n'a encore rien fait, monsieur Gilbert? Est-ce qu'elle n'a pas pris la Bastille où vous étiez emprisonné? C'est une noble cocarde, sire. Vous devriez la porter. Ce serait bien volontiers, mon ami, si j'en avais une. Eh ben, je vous donne la mienne! Je l'accepte, monsieur Billot. Et vous prenez la mienne en souvenir de cette belle journée. Citoyens, citoyens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, citoyens. Père Billot, que vous arrive-t-il donc? T'as donc rien vu, Pitou? Ah, eux, là-bas, avec la tête à Berthier. Monsieur Berthier de Savigny, notre intendant de Compiègne. C'est lui qui était toujours aussi poli avec ma fille. Oui, et si dur avec tout le monde. Un affameur, Père Billot. Une sangsue du peuple. La honte du genre humain. On avait dit qu'on le jugerait! Monsieur de Lafayette voulait le conduire lui-même à la prison de l'abbaye. Et voilà.
qui est venu à la ferme. Qui a bullé chez nous. Qui a envoyé des boucles d'or à Catherine. Ah, mademoiselle Catherine. Elle est si jolie, Catherine. Mais il voulait la séduire, cet aristocrate. T'es donc content qu'il l'ait massacré ? Non. Non. Mais le général Lafayette, je l'ai vu pleurer. Il a brisé son épée de rage, d'impuissance. Abyssum, abyssus invocat. Homo, homini lupus. Hein? L'abîme appelle l'abîme. L'homme est un loup pour l'homme. C'est le latin de l'abbé Fortier. Ah, Père Billot, que je regrette les coups de férule de l'abbé Fortier. Je voudrais m'en retourner à Villers-Cotterêts, pas vous ? T'as raison. Allez, viens ! Bonjour, monsieur Gilbert. Ah ! Bonjour, mes chers amis. Je suis content de votre visite. Monsieur Necker me fait travailler 24 heures par jour, je suis à bout de force. Et des discours, et des comptes rendus, et des projets, et des rapports, et... Enfin. Je l'ai cherché, on m'a pris au mot. Et vous ? Moi, docteur, je crois que je vais retourner à la ferme. Je vais à Paris. Vous n'aimez plus la Révolution ? Je voudrais l'avoir finie. Elle ne fait que commencer. Pour finir, elle finira mal. Vous voyez ces chiffres ? Ils sont le salut de la France et sa ruine. Bien. Monsieur Necker va demander à tous les Français, riches et pauvres, le quart de leurs revenus. À moi aussi ? Bien sûr. Et pour quoi faire ? Pour payer la note, Pitou. La note de quoi ? De la Révolution. Oh, ma tante Angélique va faire une de ses grimaces. Moi, je paierai, monsieur Gilbert, mais j'en connais beaucoup qui voudront pas lâcher un sou. Et ma tante Angélique, pas un liard. Notum certum qui. Surtout les gens de la noblesse et du clergé qui ont tout. Vous vous trompez. Les nobles et le clergé semblent pris de cette fièvre patriotique qui réchauffe toute la France. Ils vont lâcher tous leurs privilèges. Si c'est vrai, c'est la liberté, ça ! Monsieur Splendide ! Et quand nous serons tous libres, qu'est-ce que nous ferons ? Bon, on verra bien. La Révolution ira son train, puisqu'elle ne fait que commencer. Donc, vous abandonnez le manche de la charrue en vous disant qu'elle saura bien tracer son sillon toute seule. Qui l'a faite, la Révolution ? Désolé, Jean. Lafayette, Bailly, Necker, vous, Pitou, moi. Et s'ils restent chez eux maintenant ? Ceux qui continueront, ce sont les meurtriers de Launay, de Foulon, de Berthier, et les traîtres, à la solde des Anglais. Répondez voir un peu à ça, Père Billot. Eh ben, on prendra des fusils, on leur tirera dessus, comme sur des loups. Et nous serons devenus des assassins nous-mêmes. Eh ben, j'ai de raison, vaut mieux rentrer à Aramon et faire pousser des épis au bout des tiges, non pas des têtes au bout des pics. Non, vous resterez avec moi, Billot. Mais pourquoi faire ? Puisque je ne peux pas empêcher le mal ! Parce que moi, je veux l'empêcher, tant que je pourrai. Et qu'il me faut sous la main un cœur droit et un bras solide. Soyez mon agent. Pour répandre l'amour de la patrie et du bien public. Soyez mon bâton quand je glisserai et aussi quand il faudra que je frappe. Je vous le demande, Billot, parce que j'ai besoin de vous.
J'accepte. Je suis très honoré, docteur. Mais moi, qu'est-ce que je deviendrai? Toi, tu retournes à Ramon, expliquer à la famille de Billot la mission que je lui confie. J'y cours. Adieu. Attends. Va chercher Sébastien au collège Louis-le-Grand et amène-le-moi que j'embrasse. Après quoi, tu le conduiras chez les Béfortiers à Villers-Cotterêts, où il restera en pension. Mieux vaut qu'il soit là-bas tant que durent les événements. J'ai tout compris. Adieu. Et bon courage. Travaillons. Mademoiselle Catherine. Bonjour, Pitou. Vous êtes donc engagé? Oh, engagé. Le père Billot et moi, on a pris la Bastille. Seigneur Dieu, tous les deux? Oh, presque. Et comment va mon père? Oh, il va très bien, il est à Versailles. Il est le bras droit du docteur Gilbert, qui est lui-même le bras droit du docteur Necker. À part ça, les nouvelles de Paris sont très mauvaises. Rien ne s'arrange, tout se dérange. Le peuple est obligé de tuer tous ses ennemis. Oh, mais c'est qui donc, les ennemis du peuple? Bah, les dames, les aristocrates. Ceux qui ont les gros châteaux, les grosses terres. Ceux qui affament le peuple. Ceux qui ont tout quand nous n'avons rien. Ceux qui ont les belles voitures, les beaux chevaux, quand nous nous allons à pied. Mon Dieu. Tenez, vous vous souvenez de Monsieur Berthier de Savigny, l'intendant de Compiègne? Celui qui a donné des belles boucles d'or à Mademoiselle Catherine pour la séduire. Eh bien, moi qui vous parle, j'ai vu des patriotes qui mangeaient son cœur. Oh! Vae victis. Vous avez changé, monsieur Pitou. Vous avez donc commis des crimes, vous aussi? Oh, si peu, mademoiselle Catherine, que le père Billot et moi, on a failli se faire massacrer en essayant de sauver monsieur Berthier. Ah! Voilà. Alors le père Billot va rester à Paris pour aider le docteur Gilbert à terminer la révolution. Mais rassurez-vous, ça ne sera pas long. Et d'ici là, je suis chargé de vous donner les instructions de votre père et Marie. Voilà. Il n'a pas voulu confier à la mère Billot la lourde tâche de l'administration d'une ferme comme celle-ci. Il a donc choisi mademoiselle Catherine. Ma fille? Eh oui, mère Billot. Il délègue et autorise mademoiselle Catherine pour toutes les tâches et tout le travail de la maison. Sic ait et dicto sitius tumida aecora placat. Le père Billot sait ce qu'il fait. Voilà ma Catherine transformée en homme. Courir les champs, courir les routes toute seule? Oh, mais rassurez-vous, mère Billot. Je serai là et je l'accompagnerai partout. Ma fille avec un garde du corps, c'est aussi dans les instructions de notre homme. Mon père n'a sûrement pas confié ce métier de paresseux à un gros travailleur comme Monsieur Pitou. Peut-être que Monsieur Pitou a vu assez à Paris des jeunes filles qui traînent partout des garçons derrière elles.
Si je ne vous protège pas, qu'est-ce que vous me donnerez à faire, mademoiselle Catherine ? Mais rien, monsieur Pitou. Rien ? Vous voulez dire que je suis un bon à rien ? Je vais à la Ferté Milon, maman. Mangez à ma place, monsieur Pitou, puisque le couvert est mis. Et vous, vous la laissez partir ? Dame, c'est elle qui commande. À présent, je ne suis là que pour obéir. Allez, mangez toujours, vous êtes maigre à faire peur. Vous me trouvez changé, mademoiselle Catherine. Mais c'est vous qui l'êtes, et autrement que moi. Vous avez à me parler. Oui, madame. Je suis bien embarrassé, car je ne sais plus comment parler à la reine sans m'attirer ses reproches. Vous ne savez plus. Que signifie plus ? J'ai encore mal dit, à ce qu'il semble. La parole est mauvaise quand l'intention n'est pas droite. Vous n'êtes pas heureuse avec vos serviteurs, madame, depuis quelque temps. J'attendrai une meilleure occasion pour parler à la reine. Vous savez peut-être ce qu'avait à me dire votre mari, vous, comtesse. Olivier. Pourquoi ne parlez-vous pas puisqu'on vous l'ordonne ? Madame, le roi m'a envoyé hier à Paris et j'ai trouvé la ville dans une effervescence inquiétante. Ne se fie donc pas aux Parisiens de démolir la Bastille. Mais non, parce qu'ils ne peuvent pas manger les pierres et qu'ils ont faim. Et que voulez-vous que j'y fasse ? Mais enfin, le peuple s'amasse sur les quais de la Seine pour attendre des chalands chargés de farine qui n'arrivent jamais. Il y a foule aux portes des boulangers, mais il n'y a plus de pain. Et les poings les affamés se dressent en direction de Versailles. Madame, le docteur Gilbert venait pour entretenir le roi d'affaires très urgentes et... En l'absence de Sa Majesté, il demande à être reçu par la reine. C'est bon. Je suppose que vous m'apportez de mauvaises nouvelles, vous aussi. Madame, 7 à 8 000 femmes armées ont quitté Paris et marchent sur Versailles. Des femmes ? Elles seront 15 à 20 000 en arrivant ici. Qu'est-ce qu'elles viennent faire chez moi ? Elles viennent vous demander du pain. Il faut que le roi saute au palais quand elles arriveront. Le roi ? Aux prises avec 20 000 mégères prêtes à le déchirer ? Non, le roi est aimé, madame. Il parlera à ses femmes et il les désarmera. La reine m'autorise-t-elle à aller chercher Sa Majesté ? Oui, allez. Prenez garde à vous. Du pain, du pain. Et si j'avais du pain à leur donner, je n'aurais pas attendu que ces malheureuses viennent le chercher jusqu'à Versailles. C'est les femmes de Paris à Versailles à présent. Cela devient franchement intolérable. Pourquoi tous ces cris, docteur, le savez-vous ? Ce sont les gardes du corps, sire. Le vicomte de Charny les a lancés contre le président de l'Assemblée nationale et les femmes qu'il conduit vers vous. Votre frère est donc devenu fou, comte. Faites ouvrir les portes, je veux recevoir ces gens. C'est au nom du ciel.
Ce n'est guère prudent, mon frère. Faites ouvrir les portes! Le palais du roi est un lieu d'asile. Prions pour qu'il le soit aussi pour nous. Les femmes de Paris auront-elles raison du roi de France quand le secours vient d'un simple fermier de Villers-Cotterêts qui représente la nation révoltée? Fallait-il faire couler le sang dans les antichambres de Versailles? Fallait-il pareille tragédie pour qu'un enfant perdu trouve un cœur qui batte pour lui? Vous le saurez dans le prochain épisode de La Comtesse de Charny.